Alors nous sommes sur le voilier Lamartine. Lamartine, ben, c'est le voilier de la famille de la Chabrotière. On l'a appelé Lamartine parce qu'on l'a acheté la même année où est arrivée la nouvelle dans la famille, Martine, de la Chabrotière, Guy Perron. Oui, ma petite nièce. Donc, ben oui, c'est un Tenzer 7.5. Beau voilier. Présentement, nous sommes en plein centre de la rivière Saint-Maurice. La rivière Saint-Maurice. Ah, dans mes spectacles de contes, je parle beaucoup de ma rivière Saint-Maurice. Parce que je dis ma rivière, ben, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai inventée, là, mais j'en suis fier. Oh que oui! Ben en fait, la rivière puis toute la partie de ce côté-là, là, qui est le parc national de la Mauricie, ben ça reste ma plus belle fierté. En fait, mon point d'attache envers ma région natale. Je suis tellement... C'est une belle place pour venir en vacances. Bon, les langues sales diront que c'est la plus belle chose et la seule belle chose que Jean Chrétien a faite pour la Mauricie. Ben, pour lui donner ça, c'est vrai. Merci, M. Jean Chrétien, pour le Parc national de la Mauricie, parce que vous vous êtes battu longtemps pour ce beau territoire. Et là, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que certains d'entre vous m'ont déjà entendu raconter la création, en fait, la légende de la création de la rivière Saint-Maurice. Vous en rappelez, je parlais de Maurice, un Amérindien, qui avait décidé, parce que sa vie s'achevait tranquillement, pas vite, avait décidé d'aller découvrir un peu le monde autour de lui. Et puis, il est arrivé une petite aventure, a dû faire appel au service du Wendigo, l'esprit de la forêt. Et en échange, après que le Wendigo l'ait sorti du trouble, il a dû, dans un canot, creuser à coups de rame le lit de la rivière qui est devenue la rivière Saint-Maurice. Et quand je vous raconte que c'était à coup de rame, à chaque fois qu'il donnait un coup de rame, que ça creusait et qu'à force de creuser, bien, ça créait de chaque côté des montagnes, bien, livre, là. Regardez-moi ces belles montagnes-là à chaque bord. C'est Maurice, l'Amérindien, qui a creusé à coup de rame. Parce que Wendigo, il avait dit, tu vas ramer, mon gars, tu vas creuser jusqu'à temps que tu arrives au grand fleuve. Ben, le grand fleuve, c'est le fleuve Saint-Laurent. Ben, là, on est loin de ce fleuve Saint-Laurent. On est à peu près à la hauteur de Saint-Roch-des-Mékinax. Donc, on est loin du fleuve. Mais il en a creusé toute une shot parce qu'il est parti là, en haut de la tuque. Il en a creusé toute une shot. Mais vous savez, hein, voici la preuve que c'est vrai ce que je vous raconte. Les montagnes, chaque bord de la rivière, ils sont pas arrivés là tout seuls. Non. Personne qui a déménagé cela, là. Donc, hop, commence à avoir une petite pluie sur la rivière Saint-Maurice qui est frette un petit peu. Fait que, ben mes amis, sorry quand je vous raconte la création de la rivière Saint-Maurice, que c'est pas des menteries, c'est vrai. Je suis en plein milieu de la rivière Saint-Maurice.